La 9e étape du Tour de France 2015 s'est déroulée le dimanche 12 juillet 2015 entre Vannes et Plumelec sur une distance de 28 km. Il s'agit d'un contre-la-montre par équipe. Longue de 28 km, cette 9e étape relie le Morbihan à la côte de Cadoual située à Plumelec dans le même département par un contre-la-montre par équipe. Les deux temps intermédiaires seront pris à Lesnevé dans la commune de Saint-Avé au 10e km et ainsi qu'au Croiseau dans la commune de Plaudrin au kilomètre 20,5. Salut YouTube, nouvelle vidéo autour du Tour de France 2015, étape numéro 9, contre le contre-la-montre entre Vannes et Plumelec, un contre-la-montre par équipe, toujours attendu avec anxiété par les protagonistes du général, celui-ci en sera encore plus dans son final en boss qui peut influer sur les stratégies. Bon, je n'ai personne dans mon équipe qui est bon dans le contre-la-montre, surtout un contre-la-montre par équipe. Ça va être essayer de limiter la casse. Malheureusement, je pense pas que bon, à mon avis, ça va être compliqué. C'est sur ce moi mon objectif, ce serait bien entendu d'essayer de ce serait bien entendu d'essayer de garder ce maillot. Malgré tout, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Le maillot jaune, hein, le maillot jaune. J'aurais bien aimé, voilà, sur l'ensemble de la première semaine, garder le maillot jaune. Mais je pense que là, avant le repos, là, à moins d'un miracle, ça va être compliqué. Donc là, en l'occurrence, va falloir gérer l'effort. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. On a Pinocchio, Cloud, Jean-Phil et Rocco qui sont en forme et Kikiller aussi. Donc on va compter sur eux et on va essayer de protéger notre voilà, notre Zagazao national pour cette étape. On va voir. Sur C'est la pas notre ligne de spécialité. départ, nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Allez. On donne tout pour commencer. En accélération là. Bon, l'objectif c'est essayer de ne pas faire plus d'un kilomètre avec nos gars. Jean-Phil, il est en forme, on va un peu rouler avec lui. Voilà, on essaie de faire 1000 mètres avec les gens qui sont en forme, Rocco 1000 mètres. Et ceux qui sont, disons, moins en forme, et surtout Zagazo et Pino, on va pas leur faire autant. On essaie de faire 700, on revient. Là, on peut faire 1 km. Vous avez fait le meilleur temps intermédiaire, c'est bien. Attention à ne pas être en sur-régime, les gars.
Allez, on donne tout avec Matt là, qui se sacrifie pour l'équipe. On va te faire un tout petit peu, on va faire 500 mètres avec Cloud. On prend Jean-Phil, là on peut faire 1 km, on peut aller jusqu'à 14. Rocco, on peut aller jusqu'à 13 aussi. Bon, il leur fait un peu de rab. Ah bien. Allez, on va faire des à partir de maintenant là, on va faire à partir de 10 km, on va faire des demi. Je crois qu'on est pas bon là. 3-18, il reste combien? Ah si. Allez, c'est bien les gars. Vous êtes en train de réaliser un très bon temps. Gardez le jeu pour la fin quand même. Ah ouais. Le gaming est au bout de sa vie. Godzilla aussi. Killer est pas bien non plus. Cinq kilomètres. Ouh, Zagazor est pas bien non plus. Ça va faire un temps de merde. Ça va faire un sacré temps de merde parce que c'est les 5 premiers pour le qui compte. Ah c'est pas bon, on a mal géré. On a mal géré parce que là, ça fait. Ouais. Ah c'est très mauvais. C'est très très mauvais ce qu'on a fait. On va sans doute le refaire. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. On va voir, on va voir. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Bon, déjà on a perdu le maillot jaune, ce qui paraissait assez logique, mais la question ça va être espérons pour lui qu'il en ajoute de voir combien de temps on a perdu. Il joue ça, les tout premiers rôles cette année. Voilà Matt qui conserve. Conserve, c'est très bien. C'est surtout de voir quel temps on a fait. Est-ce que c'est mauvais ou pas? On va attendre pour sauvegarder. Et oui, on est... Et oui, on est tous à une minute. On est tous à une minute, donc on va. Donc on va refaire. Donc on va refaire. Très bien.
Oh, je. C'est sans doute l'étape que je maîtrise le moins. C'est sans doute l'étape que je maîtrise le moins, le contre-la-montre. Bon, heureusement, ça ne dure que 9 minutes, donc on va essayer de voir. Quoi qu'il arrive, je pense que notre maillot jaune. À mon avis, notre maillot jaune, ça va être compliqué de le garder. Est-ce que notre. Est-ce que. Est-ce qu'on arrivera à faire quand même un temps honorable? Ce serait pas mal. Pas tout, mais c'est qu'il fait chaud. Hein. On va voir. S'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-montre par équipe? Nous le saurons d'ici quelques minutes. Oh, c'est pas bon, 10 secondes. Mais après, j'ai essayé de contrôler la forme de chacun. Bon, c'est pas grave. On attaque un petit peu. C'est compliqué.
Bon, c'est bon. On a un peu repris de temps. On est plutôt en forme. Allez, on relance. Pino! Pino! Merde. Ah putain, le cinquième il met une plombe à arriver. Normalement ça devait être un petit peu mieux là. J'espère. Quoi qu'il arrive, on perd. Il joue les tout premiers rôles cette année. Ouais bah oui, oui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Quoi qu'il arrive, c'est à ce moment-là où on perd le maillot jaune. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant il peut savourer. On a une équipe de toute façon qui est globalement moins forte que les autres, donc voilà, on peut choper sur les trucs à points, on peut les choses avoir, mais... Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement le pour le maillot lui. Blanc, très bien, voilà. A voir combien on finit, si on perd pas trop de temps, j'accepte, sinon on recommencera encore un peu. Comment? Ah oui. Mince. Mince, je veux le classement. Je pense qu'on peut essayer de faire mieux, non? 50 secondes. Mais ça, c'est à cause du... Je perds deux places avec Pino. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va essayer de contrôler. Qu'est-ce que ça donne? Ah, on perd des places d'une manière générale. Hein. On fait pas ce qu'il faut. On essaye encore une fois. Ouais. On fait pas ce qu'il faut. On fait pas ce qu'il faut, on fait pas ce qu'il faut. On fait pas ce qu'il faut. C'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et puis bon, faut dire que c'est assez compliqué. Hein. Faut dire que c'est compliqué parce que faut essayer de bien gérer les relais pour que les. En fait, faut essayer de bien gérer les relais pour que. Bah les 5 premiers, ce soit les 5 mecs les plus en forme. Le problème, c'est que le groupe est assez hétérogène. Et quoi qu'il arrive, Zagazo, faut essayer de préserver. Faut faire attention. Ouais, c'est pas.
Parce qu'il faut essayer de préserver les agazos aussi. Bon, sur la ligne de départ, nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Alors on fait le huitième temps et notre bah par rapport à notre objectif c'est correct. Donc oui quoi qu'il arrive on est censé perdre du temps. Là on a 10 secondes de retard quasiment sur les premiers. Donc oui c'est normal. Ok. Ouais, bah ça, oui.
On essaie de gérer un petit peu, ouais, tout de suite on se prend en seconde dans la gueule et on est 14e. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Là, il y a eu une merde dans le virage. Ah ouais. Zagazao, quoi qu'il arrive, c'est ici qu'il meurt. Ok. Allez! Bon, ça va. Les 5e place et les 5 premiers sont à peu près ensemble, donc ça devrait le faire. Il joue les tout premiers rôles cette année. Ouais, bah voici ouais. Le maillot vert de ce Tour de France. On va voir ce que ça donne. Ça doit pas être oufissime. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et là, on a réussi à caler les 5 premiers ensemble. Donc, bon. C'est déjà ça. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bon, allez. Bon, on va regarder quand même. Bah c'est pas ouf. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Bon, on est à 1 minute. On perd 1 minute sur le premier et 1 minute 8 sur le deuxième. Donc, ouais, on prend très. Bah c'est pas si mal que ça. On est à 13 secondes de retard sur Peter Sagan. Pino, c'est pas ouf. Faudra lui faire prendre une échappée dans pas trop longtemps là pour essayer de gagner du temps. Les autres, bon bah ouais, c'est pas oufissime, on perd une place. Mais on est à 13 secondes de Peter Sagan, ce qui est pas si dégueulasse comme ça. Donc on va garder ce temps là. Allez, sur ce YouTube, on va s'arrêter ici. Puis la vidéo fait une demi-heure. Voilà, c'est plus court que d'habitude, sans être anecdotique. Donc très bien. Allez, sur ce, à la prochaine. On sauvegarde une dernière fois histoire d'être sûr. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.